Et bienvenue sur cette dernière journée du plateau télé Village Semences. Aujourd'hui, nous allons parler communication, parce que depuis de nombreuses années, vous savez que la communication agricole doit faire face à des contradictions. Nous voulons tout à la fois, une alimentation naturelle et raisonnée, traditionnelle et locale, mais nous voulons dans le même temps des produits adaptés à notre mode de vie, notre budget et à notre profil nutritionnel. Économie, innovation, nouvelles attentes sociétales, tout se transforme. Comment, dans ce contexte où plus que jamais l'émotion s'oppose à la science, la communication doit-elle évoluer? Donc ce matin, nous allons aborder communication agricole, quel nouveau paradigme? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Dumonet-Loca, qui est présidente du CIRPA. Bonjour. Bonjour. Marie-Laure Ustache, qui est responsable communication du think tank Agridé et administratrice du CIRPA. Bonjour Alexandre. Bonjour. Eddy Fougier, vous êtes politologue et vous nous direz comment vous êtes arrivé sur la communication agricole. Bonjour. Franck Prunus, vous êtes directeur de la communication de CEMAE et c'est vous qui nous accueillez aujourd'hui. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Et à distance, nous avons Albert Buté. Bonjour Albert. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Terreco et vice-président du CIRPA. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Anne. Alors, déjà, qu'est-ce que le CIRPA ? Alors, le CIRPA est ancré dans la communication et l'agriculture. C'est un syndicat qui a une existence de 122 ans, donc c'est un vieux pépère, mais qui a toute sa vigueur encore. Au départ, ça a été vraiment créé par des professionnels du journalisme agricole pour défendre la fédération professionnelle des journalistes. On a même eu des comme quoi c'était très important. L'agriculture et la communication. On a eu plusieurs ministres de l'agriculture qui ont été présidents. Depuis plusieurs années, il n'y a pas que les journalistes qui parlent communication, qui parlent agriculture. Il y a des communicants et il y a toutes sortes de communicants. Donc aujourd'hui, le CIRPA rassemble toutes les composantes de la communication en agriculture, aussi bien ceux en entreprise, les communicants en entreprise, les journalistes, les gens en agence qui travaillent dans les agences de communication, les consultants, tous ceux qui travaillent dans les coopératives, dans les fédérations agricoles, tous les gens qui parlent d'agriculture et bien évidemment quelques agriculteurs, pas encore assez nombreux, mais quelques agriculteurs. Alors, merci beaucoup. Albert, vous êtes vice-président du CIRPA et directeur associé de Terreco. Présentez-nous Terreco rapidement. Alors, bonjour. Donc Terreco, c'est un groupe de presse qui a aussi des missions de communication. On édite Référence Agro et Culture Agri, un titre qui est plus pour les professionnels et un titre qui est plus pour un plus large public, des leaders d'opinion et le grand public. Et alors, qu'est-ce qui vous fait être adhérent et vice-président du CIRPA ? Quelles sont vos motivations ? On est en tout cas sur des missions de communication à longueur de temps. Et moi, mon travail, c'est la direction commerciale. Donc, c'est d'aller chercher justement toutes ces entreprises et ces structures qui veulent communiquer auprès des cibles professionnelles, auprès de l'enseignement, auprès du grand public, un petit peu plus averti quand même, des gens qui touchent de près ou de loin au monde agricole. Donc, pour nous, c'est assez normal d'être partie prenante, en fait, en tout cas au CIRPA, de suivre en fait toutes ces évolutions de la communication. On y reviendra justement, vous nous direz quelles sont les grandes tendances et comment vous le voyez à travers vos différentes éditions. Franck Prunus, c'est vous qui nous accueillez aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que... Alors dites-nous déjà quelques mots sur CEMAE, parce qu'avant vous vous appelez le GNIS. Pourquoi ce changement de nom ? Relativement simple, donc CEMAE, c'est l'interprofession de toutes les semences
et de tous leurs usages. Ce n'est pas neutre comme appellation, puisqu'effectivement, précédemment, nous appuyons le Groupement National Interprofessionnel des SMANS. Je pense que vous voyez d'office l'évolution. Aujourd'hui, nous sommes une interprofession qui s'ouvre beaucoup plus largement qu'elle ne l'était précédemment, à toutes les parties prenantes, y compris les consommateurs, les citoyens, toutes les parties prenantes qui s'intéressent à la semence, puisque la semence est quand même le premier maillon de toutes les chaînes agricoles, mais aussi tout le premier maillon donc de l'alimentation, et l'alimentation concerne tous les citoyens et tous les consommateurs de France. Donc cette interprofession, elle est très en amont, mais elle est impliquée jusqu'au plus aval qu'il peut y avoir, c'est-à-dire en gros jusqu'à l'assiette du consommateur. Merci, on reviendra après justement sur tout ce qui s'est passé pendant cette semaine. On a beaucoup de choses à dire dans le cadre de la communication. Avec grand plaisir, une semaine très riche. Marie-Laure, alors parlez-nous d'Agridé en quelques mots, et puis ça me permettra de faire le lien avec Eddy sur la communication. Merci Alexandre, je parlerai d'Agridé avec grand plaisir. Juste, je vais compléter les propos d'Anne et je vais dire que je suis adhérente du CIRPA depuis plus de 12 ans et que c'est un formidable réseau de communicants et communicantes agricoles que dès qu'on le rejoint, on a envie d'y rester. Voilà, c'est vraiment une belle aventure avec ce réseau. Donc j'enlève ma casquette administratrice CIRPA. Agridé, c'est un think tank qui existe depuis 150 ans, qui produit des notes, des réflexions, qui est un réseau aussi, une communauté d'experts, de chefs d'entreprise agricoles. C'est le think tank de l'entreprise agricole. On tient aussi à cette dénomination. On avait d'ailleurs au conseil d'administration d'Agridé, de la Société des agriculteurs de France, Louis Pasteur, il y a plus de 150 ans. Je voulais le dire parce que vous parliez de science tout à l'heure. Voilà, petite parenthèse. Tout ça pour vous parler aussi de notre nouvelle note. Est-ce que c'est le moment ? C'est absolument le moment. Eh bien, parfait, très bien. Donc, nous allons sortir au mois d'avril une note de think tank que, pour une fois, on a voulu confier à un expert externe, un politologue, en l'occurrence Eddy Fougier, qui va détailler un petit peu ce qu'il a analysé et surtout ce qu'il propose, parce qu'il n'y a pas qu'un constat, il y a aussi des propositions dans cette note. En fait, il se trouve qu'en 2006, Agridé, la Société des agriculteurs de France, a voulu un petit peu réfléchir sur la communication agricole. C'était il y a 15 ans. Et déjà, il y avait un groupe de travail avec des experts qui se sont questionnés. Est-ce qu'on est efficace? Est-ce qu'on a les bons outils? Est-ce qu'on est efficient, en fait, en termes de communication agricole? Et il se trouve qu'il y a déjà des préconisations qui ont été posées. Est-ce qu'elles ont été suivies 15 ans plus tard? C'est la vraie question. Et j'écoutais aussi ce que vous disiez. Et depuis, il y a les réseaux sociaux, il y a la nécessité d'ouverture de la part des acteurs du monde agricole envers les parties prenantes, les ONG et tous ces consommateurs exigeants qui exigent de la transparence et qui sont très, très bien informé, plus qu'il y a 15 ans à mon avis. Donc le phénomène réseaux sociaux va forcément jouer. Voilà, on reviendra sur cette notion de très très bien informé. Est-ce qu'il y a une information? Est-ce qu'il y a une vérité dans cette information? Mais avant ça, je voudrais parler avec Eddy Fougier. Donc vous êtes politologue et vous venez de collaborer pour écrire une note sur la communication dans le monde agricole. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur le monde agricole déjà et pour écrire cette note? Alors, moi, je viens de ce milieu-là. Enfin, je suis pas agriculteur, mais ma famille est dans ce milieu-là. Mais j'y suis arrivé un petit peu par hasard. Mais bon, on va pas refaire le match. Moi, surtout, en tant que politologue, je me suis intéressé à un certain nombre de phénomènes de contestation, un certain nombre de tendances sociétales qui, effectivement, m'ont amené à m'intéresser d'abord aux anti-OGM, puis aux anti-pesticides, aux anti-viandes, et de fil en aiguille à travailler sur la question de l'agribashing. Ce qui m'a permis de faire un rapport et un ouvrage sur l'agribashing. Alors, quel rapport avec la communication agricole, vous allez me dire? Automatiquement, lorsqu'on me demandait d'analyser, de décrypter ce qui était en train de se passer, on me demandait aussi un certain nombre de recommandations. Et dans les recommandations, il y avait effectivement l'idée de communiquer davantage, notamment en direction du grand public. Parce que je crois que, sur le fond, il y a des mouvements protestataires, mais ça fonctionne dans une société lorsque ça touche une sensibilité, un terrain qui est favorable au sein de l'opinion publique en général. Et effectivement, il y a des anti-pesticides, il y a des anti-viandes, mais il y a aussi au sein des consommateurs, des gens qui se posent des questions sur l'impact de la viande sur le climat, sur leur propre santé, l'impact des pesticides sur la santé aussi, sur l'environnement. Donc ça fait écho. Les deux font écho. Et donc, je pense que le monde agricole doit, comme tous les acteurs économiques qui sont mis en cause, on le voit avec d'autres secteurs d'activité comme le plastique, les énergies fossiles, l'industrie extractive, parler directement
au grand public, ce que le monde agricole ne faisait pas nécessairement parce que les agriculteurs n'étaient pas nécessairement en prise avec le consommateur de façon directe. Là, je crois qu'on est en plein dans ce, pardon, dans ce nouveau paradigme, avec une économie qui se transforme, des innovations qui vont à une vitesse complètement phénoménale, et des attentes et des mouvements sociétaux que l'on ne maîtrise pas. On parle quelquefois de signaux faibles, on voit arriver des choses, mais ce n'est pas toujours simple pour tout le monde. Je crois que pour vous, Franck, au niveau de CEMAE, c'est quelque chose d'assez important, parce que la semence est au cœur, je pense, des réflexions et des remarques dans le monde agricole. Oui, comme je le disais tout à l'heure, la semence est effectivement au cœur de toutes les discussions et de tous les débats. Elle a sa place à travers tous les débats du monde agricole, mais plus large. Elle a sa place dans les discussions sur l'élevage, elle a sa place sur les discussions sur les plans protéines dont on entend parler, elle a sa place sur la façon dont évoluent les modes de consommation alimentaire aujourd'hui. Donc il est logique que la semence participe de ces débats et que l'on accepte que tout le monde participe des débats de la semence. C'est aussi un échange. Et on retrouve complètement cette logique-là dans les valeurs qu'on en a voulu essentielles qui créent, qui forgent notre interprofession, qui s'articulent autour d'axes simples qui sont l'ouverture. Donc, c'est un élément important. C'est un élément essentiel. Et vous allez voir que les cinq valeurs que je vais vous citer là, on va les retrouver dans la logique de cette semaine que nous avons vécue sur ce plateau télé, avec une grande largeur de présence, des gens très divers, des opinions très diverses, mais cette possibilité d'ouverture, de transparence aussi, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit de positionner et de s'affirmer. C'est un lieu d'échange, c'est essentiel, mais on y retrouve aussi une notion de responsabilité. Quand on produit des semences, on se doit d'être responsable aussi, y compris jusqu'à ce qui va être mis dans l'assiette du consommateur. On doit aussi être solidaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cette mission, il faut s'assurer d'abord de la qualité et de la quantité de la nourriture qui va être amenée ensuite par l'agriculture. Et enfin, il faut que ça soit innovant, parce que on est dans un univers qui change, on l'a dit, on en parlera largement sur les techniques de communication, mais il faut aussi être innovant par rapport à la production agricole. La production agricole ne cesse d'évoluer, on l'a encore vu cette semaine, on a entendu parler de production d'insectes, on a entendu parler de biocontrôle, on a entendu parler de choses très innovantes. La semence y participe énormément puisque c'est un univers d'innovation et on a voulu le faire ressentir à travers cette semaine qui était Village Semence. Tout à l'heure, Marie-Laure, vous évoquiez aussi une notion, une valeur qui est la transparence. Donc il y a quelque chose aussi qui se rejoint dans ce que vous évoquez, dans les attentes du consommateur, ce besoin de transparence au sein de, enfin, avec cette information. Oui, transparence sur leur alimentation. Hein. En 15 ans, l'alimentation a pris une place, les sujets sur l'alimentation dans les médias ont pris une place très importante avec l'environnement. L'agriculture, ça s'est un petit peu plus dilué, hein, peut-être qu'Eddy le précisera. Et puis, transparence et authenticité. Et je pense que la génération d'agriculteurs communicants qu'on voit apparaître, qui sont mentionnés aussi dans la note d'Eddy qui s'appelle « La communication agricole, la grande mutation, point d'interrogation », parce que je crois que j'ai pas dit le titre tout à l'heure. Cette nouvelle génération d'agriculteurs communicants, ils sont très inspirants. On l'a dit au CIRPA aussi l'autre jour, hein, avec Mélodie Deneuve qui disait qui est communicante agricole à la coopération agricole et qui dit ces agri-youtubeurs, ils sont inspirants, ils sont complémentaires de nos actions et ils sont super à l'aise. Hier sur Clubhouse, il y avait Étienne Agricole qui parlait de son métier. Il est à l'aise partout, quoi, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. On l'a reçu au CIRPA il y a 2 ans et c'est passionnant. On les écoute et ils sont vraiment très pédagogues et très impliqués et responsables. Franck, vous parliez de responsabilité et je crois que la communication positive et responsable, c'est vraiment cette nouvelle communication qui arrive aujourd'hui. Anne, le CIRPA, comment fait-il pour redescendre toute cette information, puisque vous avez un nombre d'adhérents assez important de tous les horizons, avec des informations de dingue. Comment est-ce que vous restituez tout ça? Alors, jusqu'à présent, il faut bien le dire, on ne le restituait pas véritablement à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on avait une restitution qui était intramuros à notre communauté de communicants. Et justement, on parlait de partage, d'ouverture. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire communicant si on reste entre soi. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est au contraire de faire avancer la réflexion sur la communication avec tous les communicants,
ceux qui sont adhérents du CIRPA, mais aussi à l'extérieur. Et ça rejoint toutes les valeurs que vous avez évoquées, qui sont, et qu'on vient effectivement de mettre en avant, de se choisir de nouveau dans notre projet Agir dans un monde qui bouge, parce que rester entre soi, mais ce n'est plus possible, ces valeurs de partage, bien évidemment, de curiosité, parce qu'il faut aller voir à l'extérieur, il faut aussi se confronter à ce qu'on ne sait pas et ce que l'on a envie de dire et de faire savoir. Faire savoir, la pédagogie, elle est très importante. Et puis enfin, l'engagement. Quand on parle de communication aujourd'hui, si on n'est pas engagé, on est très pâle, on est très pâlo dans la manière de l'exprimer. Si on n'est pas engagé en agriculture, dans les agricultures, d'ailleurs avec un S, on ne peut pas faire passer de nouveaux messages et s'adapter justement à toutes les parties prenantes qui viennent nous challenger en tant que communicants, en tant que personnes liées au monde agricole. On est tous, à un moment donné, pris à partie. Donc cette restitution-là, elle va commencer de plus en plus, mais avec les autres aussi communicants à l'extérieur. Alors justement, par rapport à ça, on a Albert Butet qui est à distance. Albert, vous m'entendez ? Quelles sont les tendances que vous constatez avec vos différentes éditions ? Quelles sont les remarques que vous avez par rapport à ce qui vient de se dire en plateau ? Alors nous, on travaille beaucoup avec des interprofessions, des fédérations, mais aussi des entreprises de tout ce milieu agricole. Il y a plus d'écoute aujourd'hui des attentes sociétales, en tout cas beaucoup plus de prise en compte des attentes sociétales. Il y a beaucoup de prise d'exemple, en tout cas de ce que font les agriculteurs sur les réseaux sociaux, sur Internet, comment ils se regroupent et comment ils communiquent individuellement ou collectivement. Et on part de là pour une envie d'aller communiquer autrement, auprès d'un plus large public, mais on n'en est encore qu'au début. Je pense que les interprofessions font leur travail, c'est un peu leur raison d'être de toute façon, donc elles le font bien. Par contre, il y a un peu un déficit au niveau des entreprises qui commencent à peine à entrevoir cette notion et cette envie, cette volonté d'aller vers le plus grand public pour expliquer. Mais c'est vrai que les maîtres mots sont ce que disait Marie-Laure tout à l'heure. Il faut de la transparence, il faut montrer ce que toutes ces entreprises ont apporté au monde agricole et aux agriculteurs et in fine aux consommateurs. Mais pour ça, il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Édition revient sur la note que vous avez produite. Quels sont les points clés, puisqu'on va la découvrir, quels sont les points clés de cette note ? La note part effectivement des constats qui avaient été évoqués en 2006 par la SAF. Et effectivement, d'un certain point de vue, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'évolution. À savoir le fait que la communication, je dirais du monde agricole au sens large du terme, est souvent assez réactive et pas nécessairement et pas suffisamment proactive. Il n'y a pas d'anticipation, vous voulez dire ? Très souvent. C'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, on parle d'attentes sociétales, on parle de réponses à un certain nombre d'interrogations, mais il a fallu attendre la crise, les crises, un certain nombre d'émissions, un certain nombre de vidéos, chocs, vous voyez à ce à quoi je fais référence, pour qu'il y ait une réaction. Il faut attendre que le problème se pose avant qu'on ne réagisse, très souvent. Un autre aspect, c'est qu'effectivement, cette communication est un peu dispersée aussi, c'est-à-dire que quand on fait la liste de tous les communicants de toutes les filières, de toutes les interprofessions, de tous les syndicats, toutes les coopératives, tous les agriculteurs réunis en collectif ou pas, ça fait beaucoup de monde et ça peut aboutir à un bruit qui ne correspond pas nécessairement à une unité, à un message. Je ne parle pas d'unité dans le monde syndical, notamment. Donc tout ça fait qu'il peut y avoir un déficit en matière d'image et un déficit en matière de communication. Et effectivement, l'image que l'on a de l'agriculteur ou de l'agriculture dans l'espace public, au-delà des médias, il y a aussi les réseaux sociaux, il y a aussi l'édition, ne correspond pas nécessairement à la réalité. Soit, effectivement, on est dans une caricature Martine à la ferme, etc., qui peut être véhiculée quelquefois aussi par les publicités agroalimentaires, sans polémiquer. Et puis, il y a aussi tout le débat sur la bonne et la mauvaise agriculture, pour aller vite, quoi. Donc, le clivage bio, pas bio. Et donc, le monde agricole est
souvent enfermé dans ce type de clivage. Et lorsqu'il est en réaction, il ne fait que donner l'impression de défendre un modèle, de défendre un système, de défendre un mode de production. D'où effectivement, dans les recommandations que je formule dans cette note, d'être dans une logique plus positive, au sens strict, c'est-à-dire effectivement plus proactive, et en s'inspirant notamment de ce que font certains agriculteurs. Il y a les agri-youtubeurs, il y a les agri-twittos, mais on voit de plus en plus aussi des interprofessions qui s'y mettent, hein, d'Interbev jusqu'à l'UIPP, par exemple, dans une période plus récente. Mais ce qui est assez intéressant et assez notable, c'est que, je dirais, le monde agricole est un paquebot assez lourd et qui a du mal à se réorienter. C'est-à-dire que la communication ne fait pas partie de l'ADN de ce monde-là. Mais pour autant, quand on a vu la Covid, ils étaient tous là pour réagir et pour être présents, pour servir tous les citoyens français. Non, mais ça, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Mais on voit qu'ils ont une capacité de réaction. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ne l'ont pas dans la communication ? Pour moi, le monde agricole ne communique pas spontanément. Alors, il y a ce qu'on entend communément. Les agriculteurs sont des taiseux, ils n'ont pas le temps, etc. etc. Pour moi, c'est pas le monde agricole n'était pas obligé de communiquer. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'était pas en prise directe avec le consommateur. Les agriculteurs, alors aujourd'hui, il y a les circuits courts, ça revient à la mode, mais à une époque, effectivement, les agriculteurs étaient souvent des producteurs de matières premières dans un processus pour lequel, effectivement, ils étaient très éloignés du consommateur. Donc, on le voit bien, regardez la façon dont l'agroalimentaire ou la grande distribution a réagi par rapport aux attentes sociétales et la façon dont l'agriculture a réagi, c'est pas tout à fait le même type de réaction. Et puis il y a un autre aspect, je suis politologue, il y a un aspect politique aussi, c'est-à-dire que effectivement le monde agricole n'était pas obligé de communiquer, n'était pas obligé de s'appuyer sur l'opinion publique pour faire avancer cette cause, parce qu'ils avaient leur entrée, ils s'appelaient Chirac. Pour aller vite. Tas de fumier devant la préfecture, on appelle Chirac et c'est réglé. Aujourd'hui, c'est fini ça. Aujourd'hui, le monde agricole est obligé de communiquer parce que les pare-feux qui existaient auparavant, il y avait une sorte de rente de situation où, sans être critique, mais le saccage du bureau du ministre de l'Environnement en 99, je ne citerai pas son nom, mais bon, un ministre de l'Environnement écologiste, dans les médias, c'était trop trouvé. Alors c'était presque un peu folklorique. Ça n'a pas été condamné. La société ne condamnait pas nécessairement le monde agricole. Il y avait une sorte de bienveillance par rapport au monde agricole. Et du côté des politiques, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus les pare-feux qui existaient auparavant. Et donc, le monde agricole est obligé de communiquer. Et le réflexe n'est pas nécessairement un réflexe de communicant. Et ça évolue. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une querelle entre les anciens et les modernes. Il y a une professionnalisation qui arrive. J'aimerais rebondir avec vous, Franck, par rapport à ce qui vient d'être dit, puisque donc là, avec la Fédération des semences, comment est-ce que vous réagissez par rapport aux propos d'Eddy Fougier sur cette évolution de la communication ? Ben, on la ressent tous. Je pense que je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Eddy Fougier. On le ressent dans la quotidienneté de nos actions. D'ailleurs, les prises de parole sont pas les mêmes et les preneurs de parole non plus. La prise de parole, effectivement, agricole, il y a 20 ans, était stricto sensu syndicale, on va dire ça. Aujourd'hui, Marie-Laure en a parlé aussi, on voit fleurir des quantités d'actions qui partent du terrain, qui sont de ceux qu'ils vivent au quotidien, ceux qui sont capables de montrer comment ça se passe dans leur champ, dans leur étable. Et donc, ils font un shortcut, si je puis dire, direct, on court-circuite tous les autres acteurs pour aller parler directement à ce fameux citoyen et à ce fameux consommateur. Ça va complètement dans la logique que je citais de transparence. On est dans cette démarche-là. Et nous, on est là aussi pour l'accompagner, pour apporter de la visibilité à ces prises de parole, apporter de la sincérité et réussir à créer, une fois que cette communication est faite, encore faut-il qu'il y ait un dialogue.
Le tout n'est pas simplement de faire en sorte que l'agriculteur puisse montrer ce qu'il fait aux consommateurs ou aux citoyens ou à l'électeur, hein, d'ailleurs aussi. Le tout, c'est qu'il y ait aussi un échange entre ce citoyen et cet agriculteur. Et là, nous, en tout cas moi, en tant qu'interprofession, je considère qu'on a aussi notre rôle pour participer de cet échange. Parce qu'il y a un point qu'on a largement évoqué depuis tout à l'heure, c'est la place de l'agriculture dans l'alimentation. Ça paraît bateau, c'est une évidence. On sait très bien que, je reprends les phrases classiques qu'on a tous entendues, tous les citoyens, tous les habitants de cette terre ont besoin d'un agriculteur 3 fois par jour quand ils se mettent à table. Ok, ça c'est de fait. Mais derrière ça, aujourd'hui, il y a d'autres sujets sur lesquels l'agriculture est encore plus partie prenante, ou peut-être au moins autant, qui sont les changements climatiques et comment on va s'adapter à ça. C'est la défense, le maintien et la préservation de la biodiversité. Autant de sujets qui sont plus directement alimentaires, mais qui sont tout aussi sociétaux ou tout aussi fondamentaux. Et le monde... L'agriculture a sa place dans ce sujet-là. Le monde ne pourra pas faire sans l'agriculture sur ce sujet-là. Et l'agriculture ne peut pas avancer sans tenir compte du monde sur ces sujets-là. Donc cette notion d'échange, ce besoin de partage, il est complètement viscéral, il est essentiel et de plus en plus. Et donc les agriculteurs ont largement leur place, mais aussi tous les autres acteurs. Il faut créer des agora et cette semaine de Village Semences que nous ne faisons pas pour la première fois, elle a lieu habituellement au Salon de l'Agriculture et espérons très fort qu'on puisse l'y refaire l'année prochaine. Ça participe de ces échanges, de cette possibilité de créer des discussions à bâton rompu, ouverts et francs entre toutes les parties prenantes, y compris celles qui avant ne prenaient pas forcément la parole ou qui la prenaient de façon totalement distante avec le monde agricole. Donc profitons-en, communiquons, mais échangeons surtout. Pour rebondir par rapport à ça sur cette semaine, vous avez fait quand même quelque chose d'assez particulier. Effectivement, avant, ça se passait sur le Salon de l'Agriculture. Et là, cette année, vous avez décidé de faire à la fois un plateau, une agora parisienne, mais pas que, avec des plateaux régionaux. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire un jour une région ? Alors oui, pour resituer effectivement sur cette semaine de débats et d'échanges, nous avons fait le choix tous les matins d'amener notre plateau auprès de ceux qui font l'agriculture. Et ceux qui font l'agriculture, je le dis d'autant plus facilement que j'en suis un, ça se fait pas qu'à Paris, ça se fait d'abord et avant tout au sein des entreprises, des fermes, des coopératives, on en a parlé, de tous les acteurs qui sur le terrain assurent une démarche économique, un poids économique, de l'emploi, du maillage territorial. La production se fait d'abord et avant tout sur le terrain et il nous paraissait évident et naturel, toujours dans cet accompagnement des échanges que l'on veut plus fort, toujours plus fort entre toutes ces parties prenantes, d'aller créer le débat et la discussion là où se fait la production agricole. Et donc, nous avons fait le choix d'avoir un plateau itinérant qui allait valoriser la production de chaque région. Nous les verrons tout à l'heure, ils sont en région sud-ouest à Toulouse aujourd'hui, après avoir fait les différentes régions de France. Et ça nous a permis justement de voir que dans chaque région, il y a des spécificités, il y a des acteurs différents, il y a des besoins différents. En France, on est quand même un pays de cocagne au niveau production agricole. On a des terroirs, on a des savoir-faire qui sont à chaque fois différents. Il faut les valoriser, mais il faut aussi être en capacité de montrer que les débats et les sujets ne sont pas forcément les mêmes partout. Et donc, cette grande discussion, ces grands lieux d'échange qu'on veut nationaux, ils peuvent avoir lieu, ils doivent avoir lieu aussi dans les territoires. Ouais. Marie-Laure, lorsque vous travaillez avec Eddy Fougier sur cette note, l'objectif, il est aussi d'apporter une touche de professionnalisation, justement, dans cette communication. C'est de regrouper, de recentrer pour tous les acteurs, pour qu'ils aient une vision plus claire. L'objectif, c'est une prise de température. On l'a dit, en 2006, la SAF s'est penchée sur les métiers des communicants agricoles en essayant de prendre du recul et puis de faire quelques propositions pour s'améliorer. On fait le bilan 15 ans après, avec un contexte qui n'est plus le même, plus du tout, et avec des exemples de communication innovante. Je pense que c'est ça que la note va faire ressortir. Hein. Eddy va non seulement constater, mais aussi proposer des choses pour aller dans le bon sens et mettre en place une communication positive et responsable. C'est ça. Alors, on parle de communication positive, responsable, mais est-ce qu'on peut aussi évoquer la notion de communication coordonnée, puisqu'on voit qu'il y a des attaques de toutes parts, des attaques et des incompréhensions.
coordonner, oui. Mais à l'écoute aussi. Je pense que Franck le disait, il faut s'ouvrir, et c'est vraiment le but et l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est-à-dire s'écouter et puis essayer de ensuite d'avancer. Alors comment le CIRPA peut contribuer lui aussi dans cette démarche de mieux communiquer? On a vu que les barrières ont été se sont écartées entre agriculteurs et politiques, et donc maintenant ils sont au contact direct du consommateur. Comment est-ce que vous allez pouvoir aider toutes vos communautés à mieux communiquer? Alors, ce que disait Eddy par rapport à ce monde qui était quand même replié sur lui-même et qui n'était pas obligé de communiquer, ou Albert qui évoquait tout à l'heure que les communicants, les communications n'intégraient pas des entreprises, des agrofournisseurs, n'intégraient pas du tout le fait que quand ils parlaient aux agriculteurs, derrière, il y avait un utilisateur, un consommateur, un citoyen. Maintenant, on est obligé complètement de l'intégrer. Donc obligatoirement, au niveau du CIRPA, on doit s'adapter à tout ça. Et donc, dans tous les travaux, on va lancer plusieurs travaux, justement, de réflexion pour faire avancer la communication en prenant en compte l'évolution, vous l'avez dit, des canaux de communication, les réseaux sociaux, mais aussi toutes les parties prenantes, en fait, à qui on s'adresse, mais et à celles aussi qui composent le monde de la communication. Et je voulais simplement rajouter aussi, pour rebondir sur ce que disait Franck, c'est l'ancrage territorial. C'est-à-dire, pendant très longtemps, on a une parole, je le constate, hein, très parisienne, très descendante. Le monde agricole, c'était très descendant, avec un peu de sachant, et les communicants aussi avaient ce côté un peu trop sachant. Je crois qu'aujourd'hui, on est totalement ancré dans les territoires, la région. Il n'y a pas que les gens à Paris qui doivent s'exprimer. Et donc, au niveau du CIRPA, c'est exactement pareil. Cette ouverture, elle est nécessaire parce qu'elle est fertilisante avec tout l'écosystème du monde agricole. Albert, je reviens vers vous sur ce que vous constatez auprès de vos lecteurs et de vos clients. Comment est-ce que vous les accompagnez? Quels conseils apportez-vous aujourd'hui par rapport à tout ce que l'on vient d'évoquer? Alors, aujourd'hui, l'exemple, il part beaucoup de ce que font les agriculteurs. Faut pas oublier, par contre, que les agriculteurs jouissaient déjà d'une bonne cote de popularité avant même de prendre la parole sur les réseaux sociaux ou à travers différents outils de communication. Ce qui manque aujourd'hui, c'est justement cette transparence et cette proximité de tous ces acteurs du monde agricole. Ce qui pose problème, c'est pas l'agriculteur, c'est l'agriculture, c'est le monde agricole. Donc en fait, il faut réussir à recréer de la proximité, reprendre la parole sur les réseaux sociaux, se servir effectivement du citoyen agriculteur et du citoyen consommateur pour être en fait au milieu et donner les clés de compréhension de tout ce qui a évolué jusqu'à maintenant et de tout ce qui va évoluer. Et comment tous ces acteurs, agro-fournisseurs, interprofessions, associations, fédérations, syndicats, comment tout le monde en fait s'intègre dans la chaîne pour pouvoir accompagner ces transitions. Aujourd'hui, l'agriculteur communique sur ce qu'il fait, et pourtant, il y a toujours cette défiance envers le monde agricole. Donc, si les marques, de tout ça, les entreprises... Pardon, Albert, est-ce qu'il y a une conscience dans toutes les personnes que vous rencontrez? Est-ce qu'il y a une conscience de ce besoin-là? Ou est-ce que vous êtes encore en train de faire de la pédagogie? Oui, il y a une conscience... Il y a besoin de faire de la pédagogie et les entreprises ont envie de le faire. Les entreprises qui font du biocontrôle, qui font des biostimulants, qui travaillent sur ce qu'on a appelé aujourd'hui les biosolutions, le font et ont envie de le faire. Il y a un peu plus de volonté. La campagne de l'UIPP qui a été lancée, donc qui est un petit peu plus basée sur tous les produits de protection des plantes, conventionnels ou bio, c'est la première des démarches en fait pour accompagner ces explications. Ils ont envie tous d'avancer, d'expliquer ce qu'ils font, de dédiaboliser un petit peu l'image qu'ils peuvent avoir sur certains points, pour certaines interprofessions et certaines entreprises. Il y a quand même cette envie d'y aller. Après, ils ne savent pas comment y aller. Ils ont des doutes et ils ont peur du retour de bâton. Eh ben, on voit et c'est là où il va falloir vraiment
les aider pour traverser toutes ces difficultés. Il nous reste 6 minutes sur cette émission. J'aimerais aborder un point particulier que sont les élections régionales et les élections présidentielles. Quelle place du monde agro-agri dans le cadre des 6 prochains mois, pardon, comment est-ce qu'on va positionner tout ça? Eddy, est-ce que vous voulez rebondir sur cette question? Ça parle d'élection, donc bon, politologue de service est réquisitionné. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, ce soit alors, ce sont des sujets de préoccupation, effectivement. Il y a une enquête qui avait été menée par l'IFOP qui montrait que 9 Français sur 10 étaient préoccupés par ce qu'ils avaient dans leur assiette, ce qui est quand même beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait une hostilité, effectivement, aux agriculteurs. Alors, il y a des interrogations plus sur certains modes de production. Ce que l'on voit aujourd'hui, malgré tout, c'est que le sujet est toujours sensible, notamment dans le monde des ONG. Il est peut-être un peu moins sur le plan politique, en tout cas par rapport à ce que le gouvernement fait, notamment par rapport au nouveau ministre de l'Agriculture. Donc je ne suis pas certain que ce soit un sujet, il y en a beaucoup d'autres, entre la Covid, la crise économique, que ce soit un sujet central pour l'élection présidentielle, pour les élections régionales peut-être un peu plus. Franck, un avis sur le sujet? Est-ce que le monde agro-agri va prendre une place importante dans les prochains débats? À mon avis, à partir du moment où on est dans des élections régionales ou départementales, il va y avoir une hétérogénéité énorme, par définition, suivant le poids que pèse l'agriculture dans ces régions au fur et à mesure. J'ai envie de dire, c'est au monde agricole d'y prendre sa place. C'est à lui d'effectivement de peser, de dire qu'il a un rôle territorial, il a un rôle environnemental, il a un rôle alimentaire. Et c'est à lui d'aller communiquer vers le citoyen, mais aussi tout simplement vers les lecteurs. Bah alors ? Waouh ! C'est pas un piège. Est-ce qu'on doit prendre, dans ces cas-là, si je le tourne un peu autrement, vu ce qui se passe, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, est-ce que le monde agricole doit s'affirmer de façon plus forte en vue justement de ces élections, si je tourne la question dans ce sens-là? Oui, il va continuer à le faire très bien. Après, le poids politique des agriculteurs, je parle en regardant Eddy dans l'électorat, et va en diminuant, malheureusement. Donc, ils ont peut-être moins l'attention des politiques. En plus, cette année, il n'y a pas eu de salon de l'agriculture. Mais il y a des enjeux d'alimentation, d'environnement et des enjeux sociétaux. On n'a pas parlé du bien-être animal, mais voilà, il y a des exigences citoyennes qui vont être, je pense, sur le devant de la scène. Et puisque c'est peut-être le dernier moment où je vais pouvoir parler, je vais juste parler des inspirations des communicants agricoles. Nous, on aime bien à Agridé suivre un média qui s'appelle Modern Farmer, qui n'est pas du tout ringard. Je trouve que les Américains, les Anglo-Saxons savent très bien parler d'agriculture, et on a aussi tout intérêt, nous en France, et Eddy cite aussi des exemples de communication dans d'autres pays, à voir un petit peu, à s'inspirer de ce qui se fait en matière de communication agricole. Donc Modern Farmer, qui parle de toutes les agricultures de façon complètement décomplexée et moderne, en utilisant tous les outils de com existants, je trouve que c'est un beau modèle à suivre, c'est ce que je voulais dire. Eh ben, merci beaucoup. Alors, le monde agricole, on perd peut-être quelques agriculteurs, mais d'un point de vue de l'économie et de l'environnement, les thématiques sont extrêmement forte au niveau sociétal. C'est ce que nous évoquions en début d'émission. Anne, est-ce que vous souhaitez apporter quelque chose de plus? Quelle est la place du CIRPA, justement, dans en prévision de ces élections? Est-ce que vous comptez prendre un peu la parole? Alors, on va commencer à prendre la parole, mais pas que parce qu'il y a des élections. Mais je crois qu'effectivement, on doit faire entendre une voix. Celle des agricultures et surtout de la place de l'agriculture dans l'économie aujourd'hui. Effectivement, il y a l'alimentation, on mange tous les jours, mais sans le tourisme, sans l'aménagement du territoire, le tourisme va poser des problèmes. Donc aujourd'hui, on rejoint toutes les problématiques économiques. Donc on peut porter, bien évidemment, au niveau du CIRPA, mais c'est plutôt dans les canaux de communication, dans la manière de parler, de dire des messages, qu'on va pouvoir... C'est au niveau des messages, au niveau de la sémantique, que le CIRPA peut apporter quelque chose. On n'a pas du tout valeur à contribuer à faire avancer l'agriculture en soi, mais la communication en agriculture.
l'agriculture, oui. Eh bien, nous serons à l'écoute. Franck, vous vouliez rebondir? Oui, effectivement, le propos d'Anne est totalement édifiant. Il y a un mot qu'on devrait être les premiers, nous, communicants agricoles, à bannir, c'est l'agriculture. Le propos, c'est les agricultures. Il faut qu'on commence par le faire, le pratiquer. On n'a pas d'ailleurs été capable de le faire, nous, aujourd'hui. C'est bien la preuve, là, à l'instant, qu'il y a encore du boulot. Mais il faut parler des agricultures. C'est cette diversité des agricultures, cette capacité de ces diverses agricultures à parler ensemble, qui va nous permettre d'être audibles aussi. Et ça, il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on le porte, ce message, et qu'ensuite, il soit audible jusqu'aux consommateurs. Et surtout, de ne pas les opposer, c'est ça ? D'être en commun. C'est-à-dire, on fait de la communication. C'est être en commun, mettre en commun. Surtout. Albert, un dernier mot peut-être? Je suis assez d'accord avec Franck et effectivement si cohésion il doit y avoir malgré tous les groupes qui existent à droite et à gauche, eh ben soyons d'accord sur un terme, parlons des agricultures plutôt que d'une agriculture. Merci beaucoup. Franck, je voudrais vous laisser le mot de la fin, c'est vous qui nous accueillez ici, on a passé une semaine exceptionnelle à la fois à Paris et en région. Un grand merci. Quel message souhaitez-vous faire passer pour conclure ? Le plaisir tout simplement de, dans ces temps un peu difficiles de Covid, d'avoir pu échanger, de pouvoir reprendre la parole de façon tout simplement en face à face, en groupe, avec beaucoup d'acteurs du monde agricole, mais aussi des citoyens, des consommateurs, des ONG. On a eu une diversité extraordinaire de présents sur ces plateaux pendant une semaine. Nous, on n'a qu'une envie, c'est que ça continue. Ce temps fort, il est physiquement pendant une semaine, mais il faut qu'il se déroule à travers tous les outils, les réseaux sociaux, toutes les matières qu'on a maintenant pour communiquer. À vivre au travers de tout au long de l'année. On a des sujets agricoles qui ne cessent d'évoluer au fur et à mesure de l'année. On a toujours des débats, on a toujours des acteurs, des parties prenantes internes et externes avec qui il y a matière à échanger. Et puis, évidemment, pourvu qu'on se retrouve tous à nouveau Porte de Versailles l'année prochaine dans ce cadre-là. Et on sera ravis d'avoir tous les intervenants, mais aussi les nombreux partenaires qui nous ont accompagnés sur ce projet l'année prochaine à nouveau. Merci à vous. Eh bien, écoutez, merci tous les cinq pour cette superbe émission. Nous allons passer maintenant en région et vous retrouverez bien évidemment toutes les interviews qui ont été réalisées depuis le début de la semaine sur villagesemences.fr. Restez connectés, on a besoin de vous et à très bientôt.